Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo qui est assez particulière sur la chaîne. On va quand même faire du Brawl Star, ça change pas vraiment d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on change un peu. Du coup, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai quand même économisé pas mal de grosses boîtes et une méga boîte vu que je viens d'avoir les 23 000. Donc, pour vous introduire un peu cette vidéo, du coup, je vais vous expliquer. Et vous faire voir surtout des gameplays de mes rangs 25. Donc j'en ai monté 3. J'ai monté Béa, Ricochet et Colt. Ça a été assez long, à peu près 2 heures par brawler. Et pour Béa, j'ai passé encore une heure de plus pour la monter en 27. Du coup, j'ai 11 grosses boîtes dans le Brawl Pass. Il me reste encore quelques quêtes, donc en vrai je pourrais en refaire, mais là j'ai un peu la flemme, je vais vous dire. Et on a une méga boîte. Et ensuite, sur mon deuxième compte, j'ai à peu près 6 objets, dont 2 qui sont des pièces et des gemmes, sans plus. Et j'aurai un brawler à récupérer dans la route des trophées, mais je vous en dis pas plus. Donc du coup, on va directement partir avec le pack opening. Bien sûr, je vous préviens, les gameplays des rangs 25 ne seront pas avec du son. J'ai pas record avec le son, je suis désolé, mais du coup, je vous les commenterai en voix off. Donc voilà. Donc on va essayer de prendre la petite BA pour être au moins un peu chanceux. Rien dans celle-là. J'espère qu'on va se mettre bien. 2 objets restants, pas ouf. Ah, ça charge. Rien. Ok, on a pas mal de points de pouvoir, ça c'est cool. Et pas mal d'or surtout. Parce que je suis un peu en manque en ce moment. Ok, 2 objets restants. Ouais, ça c'est pas ouf. Hein. Si on a rien dans le pack opening, c'est pas ouf les gars. Mais bon, de toute façon, c'est les règles du jeu. Allez, s'il vous plaît, quand même. Ouais. Ok. J'aurais peut-être dû ouvrir la méga boîte en premier, non? Je sais pas. Ok, bon, rien dans les grosses boîtes. C'est pas grave. De toute façon, je m'en fous de rien avoir. Ok, rien dans la méga. Hop, on a 1000 d'or. Ah ouais, quand même. Je me suis mis bien, en vrai. Alors, déjà, on peut passer quoi? On a pas mal de brawlers améliorés, ouais, c'est vrai. Du coup, je vous rattrape direct. Là, je vais sur mon petit compte. A tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve directement sur mon petit compte pour le pack opening. Donc comme vous pouvez le voir déjà dans les boîtes, enfin dans les récompenses surtout, on en a pas mal. Et dans la Trophy Road, on a Tic et 150 points de pouvoir à récupérer. Donc en vrai, ça c'est assez intéressant. Et du coup, on va commencer tout de suite. Je pense que je vais faire, c'est récupérer les gemmes, les pièces et la petite boîte en premier. Ok. Et maintenant, du coup, bah, je vais placer les points de pouvoir sur les brawlers. Donc du coup, je vais en mettre sur Spike. Et là, du coup, je suis obligé de récupérer Tic. Bon, ça nous fait toujours un brawler, hein, les gars, donc en vrai, c'est cool. Ok. Et les 150 points de pouvoir qu'on va toujours mettre sur Spike. Pour pouvoir bien le mettre. Donc, on a eu Tic, ça c'est cool. Par contre, du coup, voilà, j'ai 2 légendaires sur mon compte. C'est en vrai, c'est complètement abusé, les gars. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez tout faire, hein, mais de toute façon, moi et ma chance, on peut rien y faire. Donc on a le petit 1, on va l'enlever avec le tic tac. Allez, on va faire grosse boîte d'abord. Ok, on a quelque chose. Je dirais un brawler. Ah yes. Ok, bon, franchement ça c'est bien. On a une Billy, c'est cool. Et on a rien dans la méga boîte. Bon, c'est pas grave, hein, vous allez me dire. Mais oula, par contre on a eu pas mal d'améliorations là. Ok, donc on a eu Billy, ça c'est vraiment bien par contre, je vais pas me plaindre, et on va mettre des points de pouvoir là-dessus. Et on a eu, on va pouvoir passer notre Spike pouvoir 7, et ça c'est pas négligeable. Ok, bon bah voilà, c'est fini pour les packs opening, du coup bah maintenant, je vous laisse avec, avec les gameplays justement des rangs 25. Merci d'avoir regardé jusqu'à là si vous y êtes. D'ailleurs, merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus. N'hésitez pas à en mettre et aussi à vous abonner, c'est très important, et aussi à activer la cloche pour recevoir voilà les prochaines vidéos. Du coup, ok, je vais retourner sur mon compte.
Donc du coup, si vous voulez un peu des guides, on va dire, je pourrais en faire, mais bon, je sais pas si ça va vous servir à grand-chose parce qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui le font. Mais franchement, avec BA, je vous dis juste un truc, avoir le Star Power de bouclier, voilà donc celui-là, le Emielé, pardon, et son nouveau gadget qui s'appelle Ruche Enragée. Donc vraiment, si vous vous chopez ces deux trucs-là, c'est vraiment top. Après, par exemple, pour ricocher, prenez le star power que vous voulez, mais moi je vous conseille le rebond dans les maps fermées et le vitesse dans les maps ouvertes, mais généralement on joue pas trop dans les maps ouvertes. Colt, ben franchement il est très fort, mais bon, le gadget s'est fait nerf, donc à la rigueur vous pouvez même jouer le deuxième. Et les star power vous pouvez jouer selon votre préférence et selon la map du coup. Et voilà, donc après prenez beaucoup de temps, prenez genre 1-2 heures et faites-vous un tir en 25. C'est pas compliqué. Donc je le répète, mais n'hésitez pas à venir dans mon clan, ça fait plaisir. Hein. Et du coup voilà. Et du coup bah, je vous laisse avec le gameplay. Ok, du coup là on se retrouve pour le gameplay de Ricochet en 25. Donc c'est franchement Ricochet en 25, ça a été très très dur parce que ça a été quand même pas mal de concentration au niveau des rebonds et tout. Mais sinon, franchement, c'était assez facile parce que les gens, en fait, se doutaient pas vraiment des fois des rebonds que je faisais. Vous allez voir un peu plus tard dans le gameplay. Là, je jouais avec un pote qui est d'ailleurs qui a une chaîne YouTube. Je la mettrai dans la description. Et franchement, il a monté un rang 30 et plein de brawlers, franchement. Franchement bien, donc voilà, merci à lui. Du coup, là où on était assez en difficulté quand même. Le Edgar, je savais pas du tout où il était dans le brouillard, mais j'ai quand même réussi à lui mettre plein de tirs. Là, on a quand même pas mal de chance parce qu'il y a une popo qui nous spawn dessus et le Colt, il était un peu naïf. Donc là, du coup, il décide de prendre la popo et d'aller les chercher. Le Corvac, du coup, il va mettre son bouclier. Mais franchement, après, on va bien s'en sortir. Là, j'ai loupé un peu mon ulti, même si je croyais que ça allait passer. Et vous pouvez voir le Edgar qui était quand même pas mal à gauche. Il avait 6 potions, il me semble. Donc là, on décide un peu de tempo tranquille, se mettre dans un bush et d'attendre que la game passe un peu. Donc voilà. Donc après, du coup, on a. Ouais, vous voyez, vu que j'étais en replay, vous voyez les teams qui se cachent un peu de partout et les kills qui commencent à arriver. Donc après voilà, il y a le Edgar qui se chope une potion et on décide quand même de les focus un peu. Là, cette team, je les ai bien joués avec les rebonds. Et je trouve que la map était vraiment parfaite pour ricocher. Et là, vous allez voir que bah, du coup, le Edgar, c'était un peu dommage qu'il soit rentré dans ce couloir. Puis, de toute façon, je pense pas qu'il avait eu trop le choix. Donc là, voilà, j'essaye de jouer max avec les rebonds. Le Dynamite, du coup, qui a vraiment trollé comme un ouf. Et c'est le top 1. Et du coup, bah là, après, on va passer directement à l'autre gameplay. Donc voilà, là, j'étais trop content. Et voilà, donc ça, c'était mon troisième rang 25. Et c'était mon brawler le plus haut jusqu'à ce que je décide de jouer ma BA. Et du coup, je vous laisse avec le deuxième. Du coup, là, bah, on part pour la game de Colt rang 25. Malheureusement, j'ai pas la game de BR en 25 parce que j'étais tellement content que j'ai oublié de la rec. Donc du coup là, on fait un start assez bien avec Colt. Là, il me semble que je jouais le start power de vitesse. Non, peut-être de distance. Et donc là, on commence la game avec 4 potions. Donc en vrai, c'était vraiment bien. Et du coup, on a essayé de jouer assez aggro sur cette game pour vraiment bien chasser les ennemis. Là, comment, on sait pas, mais il a réussi à choper 2-3 potions. Et franchement, ça nous a mis vraiment bien dans la game. On était du coup à 6. Donc là, on décide de chasser la team de Colt, il me semble, Surge. Ou, ouais, je sais plus. Donc là, on décide bah, du coup de se planquer dans un bush pour attendre que la game passe. Parce qu'on n'avait pas vraiment envie de se faire focus. Et du coup, on attend. Et là, il y a une sorte de cadeau qui tombe du ciel. Qui nous met vraiment, mais vraiment trop trop bien à 8 potions. Et faut savoir que du coup, je l'ai monté mon Colt avant que le gadget se fasse nerf. Il me semble que 3 jours après, le gadget s'est fait nerf. Donc j'étais quand même assez dégoûté de plus pouvoir le jouer. Mais franchement, ça fait plaisir, n'empêche. Donc là, j'ai réussi à retuer le Jean, du coup.
Donc on était vraiment bien dans la game. Là après du coup la team n'a pas voulu mourir vraiment. Regardez, j'ai essayé de. Là je me suis un peu loupé, j'ai voulu gadget le max. Et franchement il jouait bien. Là du coup je savais pas. Donc du coup il m'a dit qu'il y avait des gens en haut. Vous voyez parce qu'il a tapé. Donc là le Jhin je l'ai complètement laser. Je sais pas comment mais du coup j'y avais bien réussi. Et là on a réussi quand même à bien défoncer la team et à bah voilà bah, tuer le Daryl par un sacré rogue laser. Donc là on faisait un peu les cons parce que du coup bah voilà on avait leur 25. Et là j'avais auto-shoot pour tuer le Colt. Voilà, je tournais en auto-shootant et du coup j'ai eu le Colt, comme par hasard. Et du coup là bah j'ai eu le Nani. Donc bah voilà. Et franchement c'était bien. Donc du coup bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut!